Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce direct. Je suis l'orateur Kei Côte d'Ivoire, vous me connaissez, je ne suis plus à présenter. Alors, avant tout propos, je voudrais d'abord souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Que toutes les bénédictions du ciel soient votre partage, vous et vos familles. Qu'à travers les 29 jours de pénitence et de prière, que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Alors aujourd'hui, je vais analyser, donc sinon on va parler des associations qui ont décidé de prendre les rues pour empêcher Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, je reformule, il y a actuellement des associations qui souhaitent que Gbagbo Laurent qui arrive là aille directement en prison. Il ne faudra pas qu'il rentre et qu'il se promène. Il ne faudra pas qu'il rentre et qu'il s'adonne à des activités alors qu'il a endeuillé des familles. Alors donc ces associations demandent à ce que, bon, Gbagbo Laurent qui arrive là soit arrêté. Alors voici donc la causerie que nous allons partager aujourd'hui. Je vais donner mon point de vue, mais avant, je vais vous permettre d'abord d'écouter l'un des responsables de ces associations. Je crois qu'il s'agit donc de Monsieur Issiaka Diaby. Voilà, le monsieur s'appelle Issiaka Diaby et c'est lui qui est le meneur. Il dit que Gbagbo Laurent ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire et que si Gbagbo Laurent rentre, bon, le président Alassane Ouattara doit accepter de le condamner parce que Gbagbo Laurent, oui, l'ex-président Gbagbo Laurent a fait du tort à des familles. Alors donc, je vais vous faire écouter l'élément. La gouvernance de Ouattara n'a qu'à faire son choix. Ou c'est Laurent Gbagbo, ou c'est nous. Nous, on sera l'aéroport. Même si on doit descendre sur le tarmac, on sera là-bas, on va aller chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la Matara. Toujours, c'est lui qui tue. Toujours, c'est lui qui tue. On va à la réconciliation. Laissez tout tomber. On va à la réconciliation. Depuis 2001, on est dans ça. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Les gens que tu tues tous les jours, ils t'ont fait quoi? On a vu Charles Blé Goudé ici, avec les étudiants en train de tuer les gens. Laurent Gbagbo, demain pour nous, le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit aller en prison. Le tribunal ici, chaque fois, condamne les gens pour braquage. Laurent Gbagbo est un braqueur. Il a braqué à la BCA, il doit aller à la prison. Et on revient. Voilà, ça c'est très important. Voilà, je Si vais vous les faire écouter. décisions de leur condamnation ne sont pas exécutées, nous on ira là. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, si les décisions de leur condamnation ne sont pas exécutées, nous on ira à l'aéroport. Parce que ces décisions ont été rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple agit, et pour le peuple de Côte d'Ivoire, et le peuple doit agir afin que ces décisions soient exécutées. On va le faire. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, si les décisions de leur condamnation ne sont pas exécutées, on ira à l'aéroport. Parce que ces décisions ont été rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple agit, et pour le peuple de Côte d'Ivoire, et le peuple doit agir afin que ces décisions. Bon, alors donc, il dit qu'il n'est pas, il dit bon que le peuple doit agir. Bon, voilà, c'est comme moi je tenais à dire. Vous voyez, bon, c'est de ça qu'on parle tous les jours. Aujourd'hui, mais Gbagbo Laurent, depuis sa position, comprend maintenant qu'il y a des Ivoiriens qui sont pas contents de lui. Oui, Gbagbo Laurent, depuis sa position, moi je trouve que les associations même qui ont décidé de sortir ont bien fait parce que même si on doit les calmer, mais au moins il faudrait qu'ils sortent pour que, bon, voilà, les exilés qui arrivent là comprennent que, bon, s'ils n'ont pas un langage de paix, et vraiment ça va pas les arranger eux-mêmes. Oui, c'est très bien fait que cette association ait pris les rues du palais d'Abidjan afin donc de dénoncer son mécontentement. Oui, il faut les féliciter. Oui, je voudrais donc les féliciter. Mais avant, je voudrais dire aussi que, bon, ne mettez pas en mal les actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ça, je voudrais m'adresser à mon frère, oui, Diaby Issiaka, qui voudrait que Gbagbo Laurent aille en prison. Et je crois que, mon frère, bon, tu as raison. Parce que, avec tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, avec tout ce que vous avez vécu, il est clair que le président Laurent Gbagbo vous a fait du tort. Oui, l'ex-président vous a fait du tort. Il est clair que des familles ont été endeuillées inutilement
Et ça, c'est à cause de lui. Ça, c'est une triste réalité. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a décidé d'être au-dessus de tous les événements qui se sont passés. Parce que pour la réconciliation, pour rassembler les Ivoiriens, il faut faire de gros sacrifices. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, même la communauté internationale reconnaît qu'Alassane Ouattara a fait de gros sacrifices politiques. Ce sont des sacrifices. Quand Alassane Ouattara dit à des exilés de rentrer, quand le président Alassane Ouattara lui-même paye le transport de ceux qui l'ont humilié, vilipendé, ceux qui ont voulu donc le tuer, quand Alassane Ouattara paye leur transport, ça veut dire que bon, il a décidé de pardonner. Il a décidé de regarder devant. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a une longueur d'avance sur tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Gbagbo Laurent, qui rentre, mais il rentre confondu. Parce que bon, il y a des gens qui disent que Gbagbo a eu la victoire. Moi, j'ai dit, il n'y a aucune victoire à aller faire 10 années hors du pays. Et il a fait 10 années dans l'humiliation, 10 années enfermé. Bon, ce monsieur-là, je crois qu'il a eu sa dose déjà. Si Alassane Ouattara veut encore s'ajouter, et je crois que ça ne va pas régler le problème. Alors, il faudra que chacun de nous accepte de respecter les décisions du président de la République. Oui, les associations des victimes, je comprends votre peine et je vous donne raison d'ailleurs. On ne finira jamais de vous demander pardon pour tout ce qui s'est passé dans ce pays. L'État de Côte d'Ivoire doit vous calmer. Et je dis même, bon, tel que vous êtes sorti là, logiquement, le ministère de la Solidarité, devrait quand même venir vers vous pour vous calmer. Et je crois qu'aujourd'hui en Afrique, il y a plusieurs manières, bon, de calmer les gens. Mais les gens sont libres cependant de manifester leur colère. Oui, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Et c'est aussi ça la démocratie. Quand tu n'es pas content, bon, tu sors et tu dis que tu n'es pas content. Bon, et quand c'est comme ça, on sait ce que tu penses. Et quand c'est quoi, c'est intéressant. Et donc, quand je regarde l'association des victimes qui est conduite par M. Issiaka Diaby, et je dis, mais cette association est dans ses droits. Oui, elle a le droit de manifester son mécontentement, mais cette association ne doit pas aller contre la décision du président de la République, celle de rassembler les Ivoiriens, celle de permettre à certains Ivoiriens qui ont déconné, oui, de partir sur de nouvelles bases. Oui, dans le ciel même, Dieu y pardonne. Et quand on regarde la Bible, le Coran, et il y a le pardon. Bon, il faudra que chacun de nous accepte de pardonner. Oui, mais en même temps aussi, ceux qu'on pardonne doivent comprendre que, bon, on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Et j'ai dit à Damara Picasso, j'ai dit à Kone Katina, j'ai dit à M. Gbagbo et à Blé Goudé et à tous ces exilés qui arrivent, vous êtes témoins de ce qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents de vous. Vous êtes témoins de ce qu'il y a des Ivoiriens, oui, qui n'apprécient pas, qui n'ont pas apprécié ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Vous aurez dû laisser le pouvoir, vous aurez dû accepter le résultat des urnes. Vous aurez dû accepter la volonté du peuple. Et on n'allait pas arriver à là. Il y a eu tellement de morts que ces Ivoiriens qui ne sont pas contents sont dans leur droit de ne pas être contents. Ceux-là, ils ont eu la force de se réunir en association et aller devant le palais de justice et parler. Et ceux qui n'ont pas encore fait d'association, qui vous attendent au carrefour, des personnes qui ont perdu des pères, des mères, des enfants, des neveux dans la crise, à cause de vous, ceux-là, ils vous attendent au carrefour. Alors, il faudra que vous profitiez de la main tendue du président Alassane Ouattara pour rentrer et parler de paix et de réconciliation. Moi, j'ai dit, mais on peut oublier le passé, ça dépend même des acteurs du passé. Toi, tu as déconné dans le passé, bon, il faut tout faire pour te faire pardonner. Et ce Gbagbo qui arrive devra travailler pour la paix et la réconciliation. C'est dans son intérêt à lui. Oui, oui. Alors, quand je regarde l'atmosphère politique actuellement de notre pays, et j'ai dit, mais le monsieur-là a tellement déconné en Côte d'Ivoire que vraiment, ceux qui l'en veulent sont très nombreux. Aujourd'hui, celui qui va le protéger, c'est Alassane Ouattara. Oui, celui qui protège aujourd'hui les exilés, oui, qui ont décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Oui, parce qu'Alassane Ouattara, qui aime son pays, a dit aux exilés de rentrer. Il a même payé le transport de certains. Oui, il y a des avions, il y a un avion qui est allé au Ghana pour prendre les exilés, et il y a un avion aussi qui va bientôt quitter l'Europe. Et tout ça, c'est le président Alassane Ouattara. Alors, je tenais à dire à tous les Ivoiriens qui sont mécontents, bon, ça ne servira à rien. Regardons notre président et acceptons les décisions du président de la République. Aujourd'hui, la communauté internationale,
Quand je parle de la communauté internationale, je parle de la France, des États-Unis, de toutes les grandes puissances du monde, ont compris que bon, Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Oui, aujourd'hui, Alassane Ouattara même fait très bien de permettre à ceux-là de revenir. Parce que ceux-là ont besoin de voir de plus près ce que la Côte d'Ivoire est devenue. 10 années après, hors du pays, ils doivent venir voir les réalisations. Ils doivent voir les routes, les ponts, oui, les châteaux d'eau. Oui, comment aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une couverture, a une grande couverture en électricité. Comment certains Ivoiriens aujourd'hui ont de l'eau. Comment aujourd'hui l'école fonctionne. Oui, ceux-là ont besoin de voir de plus près ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Parce que notre pays a brûlé. Et le président Alassane Ouattara a repositionné ce pays-là. Oui, le président Alassane Ouattara a fait renaître la Côte d'Ivoire des cendres. Oui, parce qu'elle avait brûlé. Mais aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, on est fiers de notre pays. Oui, moi-même, qui aujourd'hui, bon, je ne suis plus opposant. Et quand je marche, je suis fier parce que militant RHDP, voilà, je sais que je suis dans la vérité et je sais que je suis avec le meilleur président. Oui, au quartier ici, et on dit, vieux père Kéhi, comment ça va? Je dis, oui, ça va bien parce que j'ai la j'ai la foi et je sais que je suis dans la vérité. Parce que le président Alassane Ouattara est un bâtisseur. Demain, quand on va parler du bilan de mon président, et j'aurai quelque chose à dire. Contrairement à tous les chefs d'État, tous ces chefs d'État que la Côte d'Ivoire a connus, qui n'ont rien foutu, le président Alassane Ouattara est le deuxième au Faubourg-Boigny. Et au quartier ici, et voilà, je marche, et moi, Kéhi, bon, je marche, et je suis fier de mon président de la République. Nous devons tous accepter d'emprunter le chemin du président, celui du pardon et de la réconciliation. Aujourd'hui, Alassane Ouattara tend la main à ses opposants. Aujourd'hui, Alassane Ouattara tend la main à ses détracteurs, ceux qui ont décidé de l'humilier. Il leur tend la main. Oui, c'est un exemple. Et j'ai dit, mais aujourd'hui, même dans ce pays, si on dit à quelqu'un qui a la crainte de Dieu, oui, c'est Alassane Ouattara. Parce que Ouattara fait ce que Dieu dit. Le Dieu dit de pardonner et Alassane Ouattara pardonne. Mais il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu pour mentir. C'est ça que le problème. Comment quelqu'un peut utiliser le nom de Dieu et il ment? Et la plupart de ceux qui ont utilisé le nom de Dieu pour mentir, ils ont été tous confondus. Que l'Éternel des armées est dans le combat. Que l'Éternel des armées va installer Gbagbo Olorun. Bon, on a vu maintenant qui l'Éternel des armées a installé. Et moi, quand je regarde ce qui s'est passé dans notre pays de 2010 jusqu'à maintenant, et je dis, mais il se peut que l'Éternel des armées même, il ait pris sa carte au RHDP. Oui, parce qu'Alassane Ouattara a gagné tous les combats, oui, tous les grands défis, et Alassane Ouattara les a relevés. Aujourd'hui même, tous ceux qui ont utilisé le nom de Dieu, ils ont été confondus. Tous ceux qui ont utilisé le nom de Dieu, eux qui se sont retrouvés en exil, se sont eux-mêmes posé la question, mais pourquoi Dieu ne les a pas soutenus? Parce qu'ils étaient dans le mensonge. Quand Dieu te donne le pouvoir, au lieu de travailler pour le peuple, au lieu de te soucier pour le peuple, quand tu rentres dans les torpillages, dans les ragots, dans le mensonge, bon voilà, Dieu te donne d'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a donné d'eau, oui, à la Fondation. Oui, Dieu a donné d'eau à toutes ces personnes qui n'avaient réellement pas l'amour du peuple et qui utilisaient le nom de Dieu pour tromper le peuple. Comment quelqu'un peut dire, il peut utiliser le nom de Dieu alors qu'il est dans le mensonge? Et c'est ce qu'on a vécu. Alors donc, je voudrais dire aux uns aux autres, s'il y a quelqu'un qui a la crainte de Dieu même, bon, c'est Alassane Ouattara. Oui, parce que lui, il a le pardon en lui. Moi, j'ai dit, quand je regarde aujourd'hui Alassane Ouattara, voilà, il ne fait plus la politique pour lui-même, mais il fait la politique pour tous les Ivoiriens. Parce qu'on est obligé de se réconcilier. Oui, on est obligé de nous retrouver, même si dans le fond on restera toujours divisé, voilà, divisé idéologiquement, divisé sur tous les plans, on ne sera toujours pas dans la même famille politique, chacun aura sa position, mais nous devons accepter de nous retrouver parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous avons en commun. Alassane Ouattara, mon champion, Alassane Ouattara, le défenseur de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le bâtisseur, mais aujourd'hui la réconciliation, c'est Alassane Ouattara. Oui, c'est lui qui décide de tendre la main aux faibles. Oui, Alassane Ouattara ne veut pas écraser les faibles. Il ne veut pas écraser ceux que Dieu a déjà donné la victoire. Dieu lui a déjà donné la victoire sur eux. Maintenant, il veut maintenant les aider à se relever. Oui, c'est ce que Dieu aime. Oui, Dieu n'aime pas la vengeance parce que c'est lui qui fait la vengeance. Les hommes ne doivent pas se venger. Donc, je comprends ceux qui ont la haine et la colère, mais laissez tomber la haine et acceptons de suivre le chemin que le président Alassane Ouattara nous montre, c'est le vrai chemin, celui de la paix. Acceptons que Gbagbo Olorun rentre et laissons la justice faire son travail. Laissons le président Alassane Ouattara prendre ses décisions. C'est lui seul qui est dans la vérité et il a une longueur d'avance sur nous. Nous devons lui faire confiance. Alors, je tenais à rappeler qu'il y a un cahier qui est ouvert. Oui, il y a un cahier qui est ouvert et je dois acheter un ordinateur. Oui, je dois acheter un ordinateur afin d'améliorer les conditions de travail. Donc, le cahier est ouvert. Tous ceux qui veulent m'apporter un soutien
afin de pouvoir m'aider à acheter mon ordinateur. Puisque je dois acheter un ordinateur qui coûte 1 455 000, bon, ça c'est 1 500 000. Oui, aujourd'hui, c'est avec Internet qu'on cause. Et vous devez comprendre aujourd'hui même que la lutte politique dans laquelle on est, voilà, 70% de cette lutte-là se fera sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui même, quelqu'un, il est chez lui, il parle et le monde entier le suit. Pendant que moi, je suis en train de faire cette vidéo-là, bon, il y a quelqu'un qui est en Indonésie, en Allemagne, en Suisse, en France, oui, et peut partout en Côte d'Ivoire, et on me suit. Ça veut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux participent aussi à la sensibilisation et à la mobilisation. Il me faudra avoir un ordinateur performant afin donc de pouvoir faire mon travail de sensibilisation. Oui, parce que derrière l'analyse, je sensibilise et je galvanise. Non, j'ai besoin que nous ayons cet ordinateur-là. Alors, voici le cahier, il est ouvert. On doit acheter l'ordinateur. L'ordinateur fait 1 455 000, ça c'est 1 500 000. Et actuellement, nous avons un frère depuis Ouaga qui nous a fait un don. Et je vais toujours dire son nom. Il s'agit de Momo Kabore. Oui, oui, Momouni. Momo Kabore depuis Ouaga. Bon, ton frère Kéhi te salue. J'ai reçu les 100 000 francs et ton nom est dans le cahier. Alors, tous ceux qui vont faire un geste, que ce soit 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, nous allons, moi Kéhi, je vais dire votre nom et je vais vous remercier. Et chaque fois que je vais faire mes vidéos, je vais de temps en temps vous saluer. Au passage, je voudrais donc saluer Papa Mamadou Bakayoko. Je voudrais saluer Awa Sherif depuis le Canada, Papa Bakayoko aussi le Canada, et je voudrais saluer donc mon grand frère Nguessan à Ondjon. Je voudrais saluer tous ces Ivoiriens-là qui participent à l'émission avec moi. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et nous donnons notre point de vue sur l'actualité. Alors, je voudrais que ceux qui ne veulent pas voir Gbagbo Laurent rentrer, bon, vous mettez de l'eau dans votre vin. Parce que Alassane Ouattara a dit que Gbagbo n'a qu'à rentrer, un point, un trait. Ou si Alassane Ouattara en suit, et quand Ouattara parle, il n'y a pas quelqu'un qui peut ajouter une virgule. C'est lui qui est le chef. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Et Alassane Ouattara a décidé d'envoyer leur transport. Bientôt, ils vont rentrer. Et il faudra que chacun de nous les accepte. Il faudra que chacun de nous accepte de pardonner, comme Dieu aussi pardonne. Parce que demain, tu as demandé pardon à Dieu. Mais si la terre, si toi, tu ne veux pas demander pardon, si tu ne veux pas accorder ton pardon à celui qui est en face de toi, comment tu veux que Dieu te pardonne? Parce que chacun est appelé à demander pardon. Aujourd'hui, c'est à toi on demande pardon. Demain, tu seras aussi appelé à demander pardon. Donc aujourd'hui, là, il faudrait qu'on s'accepte. Parce que devant Dieu, on va plaider aussi. On va demander pardon à Dieu. Et Dieu dira, mais toi, tu étais sur la terre et on ne peut pas te demander pardon. Puis tu vas accepter. Pourquoi maintenant tu me demandes pardon? Aujourd'hui, Alassane Ouattara qui tend la main. Oui, c'est parce qu'il est en train de préparer son paradis. Oui, il prépare l'avenir. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie, il faut accepter de faire la paix pour avoir le soutien de Dieu. Tous les palabres ont terminé mal. Quand on regarde l'histoire, celui qu'on ne sait pas, on dit monsieur, calmez-vous. Et il dit, je ne me calme pas. On dit, monsieur, ne faites pas palabre. Il dit, je vais faire palabre. Mais ces gens de personnes qu'on calme et puis ils ne se calment pas là. Bon, quand palabre commence et après, il ne gagne pas. Et c'est ça que le problème. Parce qu'il a passé son temps, on lui a demandé pardon, il dit, je ne veux pas. Et maintenant, Dieu a quitté derrière lui. Aujourd'hui, à la San Ouattara, on lui demande pardon, il accepte. Quand on dit quelque chose à la San Ouattara, il dit, je suis d'accord. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent qui va rentrer là, Ouattara peut se venger pour dire Gbagbo ne rentre pas. Ouattara a tout, il a tout. Il peut dire, bon, il dit Gbagbo ne rentre pas. Bon, il peut dire, il dit, les exilés, bon, j'annule leur arrivée. Oui, on met certaines personnes en prison, mais il ne le fait pas parce qu'il fait le travail de Dieu. Et c'est ça, quand on est président de la République, il faut travailler pour le peuple. Et quand on parle du peuple, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Ouais, quel que soit le bord politique, le président doit rassembler tous les Ivoiriens. Sinon, ce n'est pas facile pour Ouattara de recevoir des assassins, de recevoir des voleurs, des gens qui ont pillé la BCAO, des gens qui ont mis la Côte d'Ivoire en retard. Ce n'est pas facile pour la Ouattara, mais en le faisant, il montre à la communauté internationale qu'il est un homme de paix. Oui, il montre à la communauté internationale qu'il est prêt à faire des sacrifices pour reconstruire la Côte d'Ivoire. La reconstruction de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi humaine. Il faudra que tous les Ivoiriens se retrouvent pour parler de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Donc, voici le cahier qui est là. Vous qui voulez faire des dons pour que j'ai mon ordinateur, je vous donne le numéro. Le plus 225 85 24 57 47 plus 225 85 24 57 47. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler pour m'informer du don pour que je puisse le marquer. Vous pouvez me faire un don aussi sur Orange Money. Vous pouvez me faire des dépôts. Mais de toutes les façons, je compte sur vous. Le cahier est là. Faites vos dons pour que nous puissions avoir notre ordinateur. C'était votre frère Kéhi. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.